Hey, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de Pokémon Rouge 721, une série qu'on aime bien. Voilà, c'était pas mal ça comme truc. Y a pas un item là? Non, d'accord. Alors, aujourd'hui on va faire cette route là. Je sais pas si on réussira à la faire en entier, elle est relativement longue. C'était 39, oh. Merci. Alors j'ai stocké les objets qui servaient plus à... quoi? Ok, bon moi j'ai rien eu, d'accord, c'est cool. C'est la tour Pokémon, et ça c'est quoi? Un homme qui pêche. Cool. Cool. Alors je crois que la route est vachement décomposée. Non, please, je voulais faire area. Ok, elle est décomposée en 3-4 routes, je crois. Faudra un peu checker de temps en temps le Pokédex. C'est le seul truc qui nous sert de carte, en fait. Ouais, j'ai une bite ici. Je sais que bite, ça veut dire mordre. Mais bon, ça fait tellement plus con comme ça. Regardez, j'ai une bite ici. Trop bien. Ah, et là, tu vois qu'il fallait faire cette route avant la piste cyclable, en fait. Niveau 22. D'accord. Jolteon. Allez, une petite colère. La colère du chacripin qui va tout détruire. Niveau 36, ok, d'accord. Et en l'euphorie. Et on va lui faire un Dazzling Gleam. Et on va lui faire un Mega Drain. J'ai dit Mega Drain, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là déjà? Je me souviens plus vraiment de cette route. Ça, on peut l'avoir qu'avec Surf, bien sûr. Un Rocker qui envoie un Azuril qui va se faire défoncer le cul. Ça qui est bon. Et un Porygon. Au revoir, dégage. Personne ne t'aime, Porygon. Tu es trop cubique. Tu es trop Minecraft. Et bah, Freezer. Hein. On a aussi Minecraft là qui est niveau 35. Là, le. Le fou à la canne à pêche contre le gamin Pokémon. Waouh. Ça s'annonce passionnant. Et c'est un rocker. Yahoo! J'aurais pu l'appeler Yahoo aussi, là. L'article. Eh bah, il a level up direct. Parfait. Too much. Du coup, bah oui, l'ami Minecraft qui est de retour. Je devrais travailler. Oui, moi aussi. Ah non, je fais des vidéos, c'est vrai. Je travaille en faisant des vidéos. Ouais, trop bien. Dig. Ça me paraît pas mal contre un type sol de faire ça. Contre un Barloche. Oh oh! C'est pas très efficace, mais il me fait mal quand même. Hein. Allez, oh oh, il est mort. Dodrio va subir le même sort. Et un truc pas très efficace me fait vachement plus qu'un truc super efficace. C'est quoi ce délire? Sérieusement? La poreille! Qui creuse un trou. Et qui va se prendre un coup dans les fesses avec tunnel. Minecraft niveau 36, parfait. On va continuer avec lui. J'ai pas de Poké niveau 35 encore. Non, tout est 36-37. On a KFC qui a vachement d'avance.
Alors, on a toujours pas le poké de la zone. Et le poké de la zone, ça va être ce... ce ronflex qu'on a déjà vu. J'ai encore la pokéflûte, au fait. Oui, je l'ai gardé quand même. Oh, c'est pas le même! Ah, j'aurais pensé que ça aurait été le même poké. Ah bah... ok, Linéon, donc. Métronome, oula. Playgraph. On va éviter de jouer avec le feu. Ah ah, Fire Punch. On va switch sur Pénétrateur. Ça, il m'a disable Rock Slide. Moi, je veux faire Glaire. Et je lui balance une boule. Ah, je l'ai pas eu, sérieux? Elinéon, c'est un Pokémon qui est connu pour être assez rapide. Ah, y'a pas les... Bah, on va faire une grosse faute, alors. Je voulais l'appeler Need for Speed avec un 4. Et voilà, Need for Speed. Voilà. Donc on a le poké de la zone. Qui va, la route va jusqu'à super loin. Hein. L'électricité, c'est ma spécialité. Ok. C'est un cool trainer. C'était quoi ce cri? Ah oui, c'est vrai. J'aurais peut-être dû heal en fait. Ouais, peut-être switcher en fait. Sur le poulet. On va lui faire un petit coup de bonne meringue parce qu'on a toujours pas fait cette attaque. Et ça fait mal! Bon, remarque, c'était un petit ravi, mais quand même. Oh putain, il a petit ravi et le vénère. Eh putain, c'est stylé. Oh, comment je défonce des culs là. Unplugged. Alors, j'ai dit qu'on allait. Heal Minecraft. Allez hop. On le full heal. Et c'est là la méga canne donc. Super Rod, ouais, Super Rod, c'est la méga. Parce que la dernière fois on a vu la good. D'ailleurs je l'ai rangé la good rod, non? What? Pourquoi je l'ai pris? Ouais, j'ai dû la ranger. Pour le peu que ça sert. Pom pom pom. On coupe, on affronte le dresseur, on va choper la CT. Ça va être une CT, on le sait direct. Matloutre. Oh, il est pas mort, sérieux? Fire le punch! Et Keratroc. Ok, donc ça a pris le type insecte pour ça. Ok. J'ai perdu. C'était 18. Alors c'est un truc vraiment con ça en 1G, c'est bonjour, tu vas devoir revoir faire coupe. Alors la CT 18, elle contient quoi? Double Edge. Hmm. Ouais, mais pff, sur les pokés que j'ai, non. J'ai pas envie de leur apprendre ça. Est-ce que tu as une pierre lune dans mon PC, ouais. Oh, Sabrina, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas affronté. Qui envoie Dialga, ok. Allez, dégage. One shot! Et Onyx! Qui m'envoie Météor. Ça devrait le tuer, ça. Je vais bientôt level up, non?
Vu ce que je viens de gagner là. Bah voilà, eh. T'as vu un peu? Ça sentait le level up. Alors du coup, on va switch sur... Pénétrator, tiens, allez hop. Et toi, je te mets en bas, histoire d'être un peu organisé dans l'équipe. Alors là, il y a des hautes herbes, là. Je pense pas être dans une nouvelle zone, hein. Non, je suis toujours dans la même... Donc on va même pas checker ce qu'il y a, on s'en fiche. On a déjà capturé le Ronflex. Ah, là j'ai changé de zone, là ça s'est vu, il y a un temps de chargement. Touk, vous avez vu? Hop là. Donc là si je regarde le Pokédex, je suis plus dans la même. Yop. Et j'ai les hautes herbes à côté, donc... On pourra checker ça. Et le mec il a trouvé un carbone dans une grotte, j'ai envie de dire RPTV. Raconte pas ta vie. Rival 2, putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas affronté des Rival 2. Et un boule de nœud. Un amas de tentacules contre Pénétrator. C'est pas mal. C'est concept. Et Rock Slide, on va l'achever avec ça. Et Giratina, il revient assez souvent ces derniers temps également, hein. Putain. Je crois dans l'épisode précédent on a affronté 2 ou 3, si c'est pas plus. Là le truc il est de retour, waouh. Et là pareil, allez hop dégage, critical. Et on envoie Freezer. Il y a tellement de dresseurs sur ces routes-là. Non, on n'aura pas fini dans cet épisode, je pense. Hitmonchan. Yayou. Fire Blast, allez. Poudre Para. Shadow Snake. La chatte de l'ombre. Oh, je fais bobo, hein. Allez, hop. Méga ornu. Allez. Attaque, putain. Je veux bien que tu sois paralysé, mais... je sais pas trop ce qu'il a comme attaque. On augmente son spécial. Absorbe. Ça va. Critical, c'est pas très efficace, d'accord. Bon, je continue un poil. Hein. Et je vais faire Mega Horn pour l'achever. Dazzling Gleam. Ah, ça peut faire pas, ça peut faire bobo là. Ah non, ça va. J'allais dire ça pouvait faire bobo parce que l'autre, il avait quand même augmenté 2 fois son spécial. Et j'ai un para heal. Yes. Hop là. Je suis bon pour un enfant, d'accord. Rival 2. Licky licky. Allez, pied sauté, dégage. Le vagin. Pikachu. Il est mort. C'est le premier Pikachu qu'on croise d'ailleurs. Sidra. Bon, l'hypocéan, on va le foutre un bonne corne dans la gueule. Bon, on va continuer avec ça. Il est au 37, ok. Pip pip. Et en Azuril. Oh, allez, jump kick. Lol. C'est pas très efficace, effectivement. Oh, j'ai perdu. Eh oui, tu l'as dans le cululu. Et on va envoyer nos chips préférés combattre l'armée des ténèbres. Alors. Ok.
Bien sûr que je vais jouer avec toi. Oh là là. C'est un trainer junior. Mal. Brrr. Ce cri. Water Pulse. La danse des pédales. Ça va prendre le type roche ou le type plante? Voyons voir. C'est très bizarre. Oula, par contre, ça peut faire très très mal. Aïe 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 aïe. Tout va bien. C'est très bizarre parce que ça dit c'est pas très efficace, mais j'ai eu l'impression que ça a fait quand même fait un coup super efficace. Hein. Vu les dégâts que ça a fait. Hein. Enfin bon. Dodio. Fatal Foudre. Va-t'en, t'es pas beau. Oh, tu es une petite brute, eh oui. J'ai tué tes pokés, hein, donc... Voilà. Tu. Patrat. Ouais, Water Pulse, ça va suffire, largement. Et l'euphorie... Je pensais que Coupe aurait fait plus que ça. Ouais, non, on va switcher. Hein. Sur le Chakripin. Do it! Voilà. C'était risqué, mais ça marchait. On va re-heal. Voilà. Healing Express. Ouah, tes badges sont trop cool. Ouais, je sais, j'en ai 4. Voilà. Vas-y, Maril. Au revoir. Putain. Au revoir, j'ai dit. Dégage. Ça l'a pas tué. Eh, hey, je suis de déception. Oh, ça l'a tué, je suis content. Niveau 37, ok. Et Porygon 2. Ouais, Water Pulse. Hein. On va prendre le stab en compte. Hein. Attaque beat. Fatal Foudre, est-ce que ça fait plus mal au final? Ça fait autant. Porygon 2 est paralysé. Psybeam, au revoir. Et on va pouvoir envoyer le Chakripin. Voilà. On va essayer de monter pour prendre la pancarte. Et faire coupe sur les hautes herbes. Utiliser Select pour switcher les items. Merci, hein. C'est pas comme si je joue à Pokémon depuis des années. Comme d'hab, qui dit sauvage dit pénétrateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Pénétrateur. Pénétrateur contre un poké avec une grosse langue. Je sais comment l'appeler. Je vais juste checker exactement comment ça s'écrit. J'ai un léger doute. Ouais, je peux lui refaire un Ice Punch. Alors le truc, c'est d'essayer de jouer en même temps et d'être sur le portable. Oh putain. Alors... Et on va lancer une Pokéball. Alors il y a combien de... Putain,
Putain, je dois aller sur Wikipédia pour savoir comment ça s'écrit, quoi. Ok. Allez, chope-le. Hyper Bimu! Eh, il veut pas, hein. Ah, bah voilà! Leaky Leaky a été capturé. Alors, il y a combien de lettres? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bah, je vais devoir faire une faute. On va mettre qu'un seul N, malheureusement. Normalement, il y en a deux. Cunilingus, donc. Dégueulasse. J'adore donner des noms bizarres à mes pokés. Ne cherchez pas ça sur Google, les enfants. Ce n'est pas bien. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est. Je ne vous dirai pas que c'est un peu... ce que c'est de l'équivalent, ça va bouffer de la chatte. Au calme, le gars, il dit ça. Alors, bon, on va reprendre. Un épisode normal. Simulabre, le Simuswag. Putain, mais ce sprite, je l'adore. Il est trop cool. Oh, il est swagué, le sprite de Meloetta, eh. Il est plutôt stylé. Je sais pas, on dirait, il a une espèce de... le truc noir, je pense pas que ça y est dans la version originale du sprite. C'est assez stylé. Pff, Mega Drain, ça a rien fait, lol. Aïe, Buzzbug. KFC, au secours. Tu es mon seul espoir. Le poulet s'envole et détruit sa cible. Et il va se faire un petit chacripin. Allez, dégage. Merci pour les PV, ça fait plaisir. Ouah, tu as totalement gagné. Et ouais, mon gars, t'as vu, je suis trop fort. Puis ouais, tiens, on va prendre KFC, là, ça fait longtemps. Hein. Alors, je sais qu'il y a un item en bas, là où c'est blanc, à côté du panneau. Je m'en souviens. La 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 la. Un X-Speed, ça servait vachement. Waouh. Utilité totale de l'objet. Alors... et là, ça me dit, regarde sur la droite. Ouais, t'as vu. Alors, voyons voir. Linéon. Allez, KFC, on va... les détruire. Au calme. Ouais, bonne meringue. Waouh, waouh, waouh. Ça va faire bobo, ça. Oh, mais il a déjà level up. Allez, on va continuer un peu avec KFC, quoi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Pfff, waouh, lol, coup critique. Abusé. Donc mon KFC utilise son gros os pour frapper ses ennemis. Parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace, ça doit vachement perturber. Et je m'envole pour décapiter ce magnifique Kelorior. Allez hop, Minecraft, vas-y. Y'a pas un item là? Nope. Ok. Du coup, faut qu'on aille tout en haut. Cette route est chiante. Ah,
Un moucharna. Allez, dégage. Bedurf. Que notre tort. C'est le one shot. Ah bah. Ça c'est mon chien que je n'ai pas. Ah bah décidément putain il a que ça ou quoi. Oula. Ah bah pff, lol. Ok. C'est super efficace effectivement. Et tranquille. Au calme. Voilà, parfait. Niveau 38. Bubble, non. Franchement, non. Le vent a tourné, eh oui. Le vent souffle, comme dirait l'ami Ganondorf. Allez, Freezer, celui qui est le moins amoché. Y'a pas un dresseur, là, par hasard? Putain, mais elle est super longue la route, OMG! Waouh! Première fois que je le vois, lui. Il me semble. Méga horn. Re-méga horn. Non, tu veux pas. On va faire jump kick. Roselia. Sérieux, le Fire Blast qui passait pas. Et... Dracofeu. On va lui faire du jump kick. Ça me paraît pas mal. Bon, il n'y a plus beaucoup de PP, Freezer, donc switch. Sur Pénétrator qu'on va healer un petit poil. On va même healer toute la team. Hein. On a tellement d'argent qu'on peut se permettre de tout heal. Plusieurs fois. Ah, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir une équipe full vert. Hein. Les Pokémon oiseaux sont prêts pour le combat. C'est très l'oiseau. Séisme. Pff, coup critique. Eh, ça va, c'est tranquille. Hein. Le vagin. Aïe, aïe, aïe. Il y a Ice Punch. Ok. On va changer sur Pringles. On fait Fatal Foutre dans le vagin. Pawniard, Water Pulse. Et un Hippopotasse qui va se faire détruire. Remember mon Poké Hippopotamus. Il était tellement bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas encore des petits dresseurs par là? Si toi, je t'ai pas affronté. Hein. On va finir cette route et on fera la route suivante au prochain épisode. Weep. Cresselia donc. High jump kick. Je continue un peu quand même. Ouais, je le tue. Je vais me heal après. Level up, ok, cool. Un autre Cresselia, ok. On va envoyer Pringles, parce que l'autre il a High Jump Kick et Waterfall. Et il aurait pu me faire Drill Peck, il est très très con hein. Je pige pas trop la logique de l'IA, parce que normalement il aurait dû utiliser son attaque vol sur mon type plante. C'est... Oui, non, normalement c'est ce qui devrait se passer. Enfin bon.
Pringles a level up également, et putain, ça va vite, hein. Et le fouineur... non, je voulais faire Psybeam. Voilà. On va mettre Freezer. Non, Freezer, il a plus beaucoup de PP, donc on va éviter de le mettre pour l'instant. Hein. Je pense qu'entre les deux épisodes, je vais aller healer les Poké. Un petit dresseur là. Bon, on va affronter ce dernier. Ah bah, pff. Ces deux derniers. Parce qu'en fait, je voulais lire la pancarte. Spinda le bourré. Allez, coup critique. Et c'est le chaos. Bon, lui, je lui ai manqué de respect, ce dresseur. Route 14, ok. Mens-toi. Ok, les CT sont en vente à celle de Paul, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des CS, oui. Hit mort, pourquoi pas. Bah, Shockwave, hein, écoute. L'autre, il me fait flamèche. Hypnose, ça ne m'affecte pas, pour une raison X ou Y. Et tu vas voir, au tour d'après, ça va marcher. Buzzbug, aïe. Oui. Oh la vache. Alors, je vais le buter, mais... Ponchio, non, on va switcher. Bonjour, mon KFC vient là. KFC arrive pour sauver le monde. C'est, enfin, effectivement, c'est super efficace. Il fait un bisou au petit chien. Et le petit chien, il est content. Et le petit chien, il est mort. Bref. On va arrêter là cet épisode. Il était plutôt cool, il y avait pas mal de combats. Je retourne ici pour soigner mes Poké. Hein, ça fera... Au moins, ils auront tous des PP et... ils sont tous tout beaux, tout propres. Et du coup, bah, je vais retourner là où j'étais, hein, tranquillou entre les deux épisodes. Donc, je vous dis rendez-vous dans l'épisode 17. Salut à tous et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Oh yeah. Et je marche sur un pont.